Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors déjà, comme tu le vois autour de moi, on se retrouve dans un cadre un petit peu spécifique puisqu'on est actuellement au milieu de la ligne droite du circuit du Grand Sambuc que je remercie grandement pour leur accueil. Donc le cadre est idyllique et il est totalement en rapport avec cette voiture qui est une vraie pistarde. Déjà, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. Et puis tout de suite, on va présenter ce superbe Cayman GT4 RS qui, comme tu vas le voir, est une voiture vraiment exceptionnelle. Allez, c'est parti. Alors déjà, comme tu le vois, celle-ci est dans une superbe configuration rouge, jante noire, avec le capot carbone. Ça, c'est parce que celle-ci est équipée du pack Vessar, donc le pack le plus extrême sur la GT4 RS, que tu retrouves également sur les GT3 et GT2 RS. Donc comme tu le vois, il y a énormément d'appendices aérodynamiques sur cette voiture, à commencer par le capot avec ses deux entrées d'air, un petit peu comme sur les 991 GT3 RS phase 2. Le capot tout en carbone, bosselé comme ça, c'est vraiment super joli. Évidemment, tout est dans le gain de poids. À l'avant, le logo Porsche est un autocollant. C'est le genre de détail que tu vas retrouver sur les versions RS chez Porsche. Alors au niveau de la face avant, tu retrouves ces deux grosses entrées d'air de chaque côté, avec cette lame badgée GT4 RS. Évidemment, tout est fait pour refroidir la voiture et gaver le moteur d'air, comme tu le verras. Et également, on retrouve un flap ici sur le côté. Les feux LED qui sont vraiment très sympas avec cette signature lumineuse avec ces quatre petits points. Ici, tu retrouves une sortie d'air qui vient permettre de refroidir toute la chaleur générée au niveau de la roue, notamment par les freins. Alors, on passe ensuite sur ces coques de rétroviseur tout en carbone. Juste en dessous, tu retrouves l'inscription GT4 RS en autocollant. Quand on se rapproche un petit peu plus de l'arrière, tu vois ici cette grande entrée d'air en carbone. C'est tout simplement l'admission d'air du moteur. Donc en fait, l'air entre par ici, il est canalisé vers le moteur et il vient gaver ce flat 6 4 litres de 500 chevaux. Et d'ailleurs, chose très sympa, puisque l'admission est juste derrière les oreilles des passagers, tu l'entends s'ouvrir et se fermer, donc siffler à chaque fois que tu accélères. Et c'est un détail vraiment super sympa à l'intérieur. Juste en dessous, tu retrouves cette entrée d'air en carbone ici, comme tu peux le voir. Donc en fait, c'est tout simplement l'entrée d'air du 718 classique que je t'ai présenté, qui a été élargie avec cette pièce-là en carbone pour gaver encore un petit peu plus la voiture d'air. Une fois qu'on passe aux jantes, on retrouve ces grandes jantes-là noires avec ce design en croisillon qui est très sympa. Le logo RS au centre avec du coup ce center lock, cet écrou central, les gros étriers Porsche rouge avec ses grands disques de frein. Alors comme tu vas le voir, la voiture n'est pas très propre, il y a des traces de pneus un petit peu partout. C'est normal, hein, c'est une pistarde, elle sort d'ailleurs de piste d'il y a quelques jours. Ce ne sont pas des marques d'accrochage, c'est bien des traces de gomme qui sont caractéristiques des voitures qui sont allées sur piste. Alors une fois qu'on passe à l'arrière, on peut observer déjà ce sublime aileron avec cette prise inversée, donc pareil que sur une 992 GT3. Qu'est-ce que c'est beau franchement cet aileron. Ici le rappel GT4 RS sur le côté. Et c'est vrai que ça rajoute ce côté extrême qui est super joli et qui rappelle, c'est vrai, les versions RS sur les GT3. Alors en dessous, tu retrouves cette espèce de béquet qui est vraiment très joli, qui rend super bien, avec en dessous l'inscription Porsche et GT4 RS, à savoir que le GT4 RS est également en autocollant comme le logo à l'avant. En dessous, tu retrouves du coup ce diffuseur avec ses sorties d'échappement qui sont, on va dire, semi-centrales, une de chaque côté. On le voit, ça a bien chauffé, c'est un petit peu bleuï à l'intérieur. Honnêtement, j'aime bien le design de l'arrière, c'est franchement assez joli, mais je saurais pas l'expliquer. Quand je le vois de derrière, il y a un tout petit détail qui me gêne. J'arrive pas à savoir lequel en fait. Autant à l'avant, c'est sublime, autant à l'arrière. Quand tu regardes chaque chose dans le détail, c'est absolument magnifique. Mais dans l'ensemble, je le trouve un peu sage, et c'est assez fou à dire vu l'aileron qu'il y a, mais oui. Ici également, tu retrouves un coffre, tout comme dans la version GTS que je t'ai essayé la semaine dernière. En revanche, tu ne pourras rien mettre au-dessus du moteur, puisque tu retrouves cette plaque en carbone badgée GT4 RS, ainsi que l'arceau, du coup, qui revient jusqu'au-dessus du moteur. Évidemment, moteur ici, flat 6, 4 litres de 500 chevaux, atmosphérique. J'irais même, vu la sonorité, comme tu le verras après, atmosphérique, c'est le même que sur les GT3 RS. Donc oui, 500 chevaux dans un Cayman, je pense que ça va être plutôt sympa en sensation. Alors, une fois qu'on arrive à l'intérieur, déjà, moi qui aime les seuils de porte, je suis plus que ravi ici, puisqu'on retrouve cette plaque en carbone avec l'inscription GT4 RS jaune, qui est également illuminée, tu peux le voir dans la nuit. Donc ça, je pense que c'est une option, c'est vraiment très joli. Déjà, dans les portes, tu peux observer le contraste Alcantara sur piqûre avec du cuir. Également, chose très cool, qui rappelle un petit peu sa vocation extrême. Tu n'as pas de poignée de porte, mais bien des sangles à l'intérieur. Et ça, c'est le petit détail qui est vraiment très sympa. Également, tu retrouves l'option Bose sur cette voiture-là. Alors une fois à l'intérieur, on se retrouve dans une ambiance vraiment tournée course, rien à voir pour le coup avec le GTS, et ça c'est en grande partie dû à la présence massive d'Alcantara, mais surtout à ces sièges baquets qu'on connaît bien maintenant puisqu'ils sont apparus il y a maintenant pas mal d'années sur la 918 Spider. C'est bien ces sièges là baquets
carbone, avec du coup ce gros retour ici sur le côté qui te permet d'avoir un maintien optimal. L'inscription Vessar RS sur l'appui-tête, puisque celle-ci est munie du pack Vessar. Alors déjà, première surprise, malgré ce qu'on pourrait penser, ils sont très loin d'être inconfortables. Donc ça, c'est quand même un très bon point pour des sièges baquets carbone. Alors devant moi, je retrouve ce volant en Alcantara avec un centreur jaune. Cette fois-ci, contrairement au GTS, pas de chrome, pas de petites options. Ici, c'est du dépouillement total. Je sais pas ce que t'en penses, mais le volant, c'est l'expression la plus simple que tu peux en avoir. Et pour autant, je le trouve juste sublime. Clairement, ça me choquerait même pas d'utiliser en tant que déco chez moi. Derrière, tu retrouves du coup ces palettes en métal noir avec le plus et le moins en jaune, puisque celle-ci est munie de la boîte PDK. C'est la seule boîte qui existe sur le GT4 RS, contrairement au 718 GT4, disponible soit en boîte PDK, soit en boîte manuelle. Sur le GT4 RS, c'est clairement la performance qui est visée. Et donc forcément, vu la rapidité de la boîte PDK par rapport à une manuelle, c'est la seule disponible. Devant moi, je retrouve donc le même affichage que sur le GTS. Simplement ici, l'inscription GTS s'est transformée en GT4 RS avec le design de la voiture. Au centre, mon compte tour en gris, mes kilomètres-heure à gauche. Comme sur le GTS, l'écran digital à droite t'indique diverses informations, donc les pressions des pneus, les températures, etc. Des choses vraiment utiles pour le circuit. Tu retrouves également pas mal de carbone à l'intérieur de cette voiture, notamment ici autour de la clé, au centre, sur la console centrale. Donc en fait, c'est une baguette de carbone qui suit tout le long de la voiture et qui traverse l'habitacle. Et d'ailleurs, si on remarque même dans le détail, qui va de porte à porte, puisqu'en fait, la baguette est alignée et ça fait vraiment un design super joli. Au centre, tu retrouves encore une fois cet écran tactile. Et par contre, nouveauté par rapport au GTS, tu retrouves le nouveau sélecteur de la boîte PDK qui ressemble beaucoup à un levier de boîte manuelle. C'est vraiment très réussi. Au centre, comme toujours, tu retrouves les divers boutons d'options. Ici, le passage de la boîte PDK en mode sport, les suspensions, le SC off, le SC plus TC off. Ça, c'est pour le circuit, je pense qu'en termes de sensations, ça commence à être pas mal. L'échappement, également le lift, puisque cette voiture est très basse à l'avant et a besoin d'un lift sur les deux dames. Sous la coudoir centrale, tu retrouves également une prise pour le téléphone et également une petite station de recharge par induction. Donc ça, c'est quand même vraiment pas mal d'avoir cette modernité-là dans une voiture aussi pistarde. Je sais pas ce que t'en penses, mais personnellement, je peux pas me lasser de regarder cet intérieur. Dans le rétroviseur, je vois l'aileron et l'arceau. Honnêtement, c'est une ambiance qui est juste géniale. Et ce que je te propose maintenant, c'est qu'on aille démarrer ce superbe GT4 RS et qu'on aille écouter le superbe son de son Flat 6. Allez, c'est parti! Bon, et ben on se retrouve du coup avec Alexandre dans le Caïman GT4 RS. Alexandre, que tu connais, que tu as vu dans la vidéo où j'ai passé 300 km d'ailleurs dans cette voiture. Petite différence maintenant, la voiture est rodée. Donc je pense que ça va être vraiment très sympa. Ah, le son. Oui, parce que du coup, la dernière fois, on n'avait pas dépassé 4000 tours, on avait 5000. Là, la sonorité, c'est assez incroyable. Alors la boîte PDK évidemment est toujours aussi rapide, hein, c'est bluffant. La sonorité est folle, en plus là juste à côté comme je t'ai dit, il y a l'admission qu'on entend. Enfin, c'est assez impressionnant. Là tu sens que tu entres de suite dans une voiture de course, en plus les rétrogradages c'est fulgurant. Et là, tu sens en fait que tu es dans une ambiance de voiture de course, clairement. Les sensations à bord sont d'une pureté parfaite. Et c'est vrai que l'expérience est assez sympa. Alors toi, du coup, quels sont tes ressentis au volant de la voiture? C'est une voiture qui est légère, facile à conduire, équilibrée? C'est une voiture qui est très incisive. Ouais. Qui va tout à fait suivre le regard. Ok. Elle part directement là où on veut. Bon, on a un réglage de géométrie qui est un petit peu pointu aussi. D'accord. Et c'est un réglage de piste. Ouais. Et c'est vrai que ça aide beaucoup en piste parce qu'on a des trajectoires qui suivent. On a dépincé le train arrière pour que le train arrière suive bien. Ok. Et n'empêche pas de, non pas de glisser, mais de retarder le mouvement. D'accord. Du coup, pour qu'elle ait vraiment des réglages parfaits. Et d'ailleurs on l'a vu parce qu'on a fait quelques courbes et d'ailleurs tu sens l'équilibre de la voiture, c'est juste génial. C'est pas comme les 911 avec le porte-à-faux arrière. Ici on a le moteur juste derrière en position centre arrière. Et alors comme je disais, étonnamment en fait on est vraiment bien dans ces sièges baquets carbone.
je trouve que la position est bonne. Après, je sais pas, est-ce que tu as déjà fait un petit peu de route avec Non, on fait pas beaucoup de route. Ouais, j'imagine. En fait, le problème de la voiture, c'est qu'elle a un châssis qui est très, très, très dur. D'accord. On avait une GT3 RS avant, c'est beaucoup plus souple. Donc la GT3 RS est plus souple que le... En châssis, ouais. Ah oui. Là, on tape chaque inégalité du sol, on le ressent. Sur la GT3 RS, on ne le sentait pas. D'accord. Donc ça, c'est peut-être à cause qu'elle soit un peu plus courte Ou le réglage du châssis, je sais pas. Ah, peut-être. Non, par contre, c'est vrai que... C'est pas du tout. Pour nous, il y a une grosse différence. Donc elle est même plus extrême qu'une GT3 RS. Sur route, c'est plus délicat. À 9000 tours, c'est juste assourdissant. C'est la sonorité, effectivement, on a l'impression que, à dire que le moteur est dans l'habitacle, mais c'est un peu le cas. On a plus de 102 dB dans l'habitacle. Ah ouais, ouais. Wow, oui, quand même. 102 décibels dans l'habitacle, et franchement, la sonorité est folle. T'entends l'admission juste là, le freinage est dingue. Tu sens que la voiture a un équilibre qui est parfait. L'arrière, quand il commence un tout petit peu à jouer, en fait. La voiture repart comme sur un rail, elle part pas, et c'est juste bluffant d'efficacité. Et justement sur les routes comme ça, je pense que c'est idéal. C'est idéal. Ouais, ouais. C'est idéal. Bon, après c'est fatigant parce que c'est une voiture, quand on roule doucement, elle n'est pas très agréable. Okay. Et elle devient très agréable en roulant vite, ce qui est délicat sur route, bien sûr. Ouais. C'est pour ça que nous on l'a réservé à un usage circuit. Et oui, bien sûr. Bah, c'est là que c'est vraiment à ce moment-là que tu pourras l'exploiter à fond et puis en profiter. Parce que je pense par contre sur piste ça doit être un sacré outil. C'est un bel outil sur piste. Ouais. On a roulé pendant 2 jours là sur Manicourt, c'est vraiment un bel outil. Ouais, j'imagine. Bah t'as quand même 500 chevaux dans un Cayman quoi. Dans une voiture qui fait un petit peu plus légère que la GT3 RS aussi. Okay. Et qui a un comportement totalement différent puisque en fait le Cayman de GT3 RS, il faut lui mettre du frein dans la courbe avant de réaccélérer. Et elle, on lui met du frein un petit peu avant d'avoir fini la courbe et on peut commencer déjà à remettre du gaz. D'accord. Donc, ah oui, c'est la différence entre le central arrière et le porte-à-faux. Il faut beaucoup de poids à l'avant quand on freine pour entrer dans la courbe. Ouais. Et là, on freine bien avant la courbe, on freine début de courbe, mais pas autant qu'avec le GT3. D'accord. C'est peut-être une voiture plus simple aussi à piloter qu'une GT3 RS. Dans son équilibre. Je dirais que la GT3 RS, elle est... C'est assez facile, surtout les nouveaux modèles. D'accord. Depuis la 91, elles sont vraiment très faciles à commander parce qu'elles sont tellement bordées d'électronique qu'on n'a pas aucun souci avec. Là, la GT3 RS, elle prévient. C'est-à-dire qu'on sait à quel endroit il ne faut pas aller, on sait qu'on est en limite. Mm-hmm. On le sait un peu à l'avance.
Le caïman, il est un peu plus traite parce qu'il va aller plus loin, mais il va décrocher d'un coup. Ouais, voilà. Bah, c'est un petit peu différent. C'est en général le défaut des voitures qui sont très saines. Elles le sont jusqu'à un certain seuil. Et par contre, quand ce seuil est franchi, là, c'est brutal. Mais après, ça devient délicat. Ouais, c'est ça. Mais bon, apparemment, ça se conduit bien et vite. Ah, j'imagine que c'est quand même une vraie arme. Nous, on a roulé correctement sur le circuit. Ouais. Moi, je roule moins aussi vite qu'avec Machete 3 que sur le circuit de Monaco. D'accord. Ah ouais, mais de toute façon, là, on l'a senti sur les routes. C'est une efficacité qui est incroyable. Qu'elle est quand même pas totalement dans son élément sur route. Enfin, clairement, elle, c'est la piste. Hein. Autant le 718 GTS, lui, s'adapte très bien aux différentes courbes, aux différentes aspérités de la route. Autant celle-là, on sent qu'il faut de l'asphalte parfaite. Mais par contre, l'efficacité, le son, et t'as vraiment l'impression d'être dans une voiture de course sur la route. Quoi. Et ça, c'est un feeling qui est assez fou. Et encore, là, on est avec les ceintures classiques, mais il y a les harnais au-dessus. Les harnais qui sont juste à côté. On a mis un intercom pour en parler dans la voiture. Et ouais, c'est ce que j'ai vu là. C'est pas possible. Bah, de toute façon, oui, quand elle charge à 9000 tours, ouais. je veux bien croire que de toute façon, on s'entendra pas. Mais rien que là, à bas régime, à 3005, hein, t'as cette espèce de présence, avec en plus le bruit de l'admission à côté, c'est juste incroyable. Et je sais pas si... Ouais, si t'as autant cette impression de voiture de piste dans une GT3 RS. Sur route, elle est quand même sympa la GT3 RS. Ouais. Ouais. Le seul problème de la GT3 RS, c'est son gabarit en largeur sur les petites routes. D'accord. C'est quand même bien plus large. Ouais, celle-ci est bien plus compacte. Ouais. Après, justement, je présume qu'en ville, de toute façon, c'est pas du tout adapté. Ça... Ah, alors vraiment pas. Ah bah, on le sent. La route n'est pas particulièrement mauvaise, hein, mais on le voit, on tangue dans tous les sens. Bon bah écoute, Alexandre, merci beaucoup pour cet essai. Franchement, je me suis régalé. Ouais, moi aussi. Cette voiture est complètement dingue. J'avais déjà eu un aperçu lors de notre petite balade il y a quelques mois. Et là, une fois rodée, c'est clair. Cette voiture, c'est une voiture de course sur la route. Et honnêtement, les sensations à bord, c'est juste démentiel. Et je me suis vraiment régalé. Donc écoute, encore une fois, un grand merci. Je mets juste ici d'ailleurs ton Instagram où tu partages quelques photos de la voiture de temps en temps. Eh ben écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne YouTube pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'oublie pas de liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Et puis moi, je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao! Bientôt.